Bonsoir à tous ou bonjour à vous, je ne sais pas, tout dépend de votre espace-temps. Donc j'ai le temps de faire un chapelet avec vous. J'avais dit que je prierais avec le livre pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis, Mystère du Rosaire. Joyeux donc méditer avec les psaumes et les cantiques de l'office divin, mais je propose de faire ça ultérieurement parce qu'entre-temps, je voudrais prier sur un livre qui s'appelle Un souffle qui passe. Voilà, c'est aux éditions Orvin, c'est un livre un livre où il y a où le ciel. Le ciel donne des messages, alors bon, c'est surtout axé sur les 10 commandements. Mais à la fin du livre, en annexe, il y a des rosaires, enfin plutôt un rosaire et un chemin de croix. Donc je voulais prier avec vous le rosaire donc, sur ce livre, sachant que c'est le tome 1 et il y a le deuxième tome que je veux aussi prier avec vous, où il y a un rosaire aussi. Et tout ça nous mènera, je pense, à donc ce week-end, le week-end prochain et peut-être une partie de. Donc dans 2 semaines, du week-end dans 2 semaines. Et après, on reprendra les prières avec le livre dont je vous ai parlé dans ma première vidéo pour aider à prier le chapelet aux éditions du Parvis. Voilà, nous allons donc commencer un chapelet des mystères joyeux. Alors, c'est inspiré par un ange. Un ange, c'est peut-être l'ange gardien du messager, je ne sais pas. Oui, c'est ça. Alors, donc il y a une petite introduction. Dans les mystères joyeux du Très-Saint Rosaire, Marie donne au monde son fils à travers 5 étapes riches d'enseignements. Tout d'abord, l'accueil de la parole de Dieu dans le cœur humble et pur de Marie, la servante du Seigneur, au moment de l'Annonciation. Puis, en la personne d'Élisabeth, la reconnaissance par le monde extérieur du rôle de Marie, épouse de l'Esprit Saint et mère de Dieu au moment de la visitation. Ensuite, l'offrande du Seigneur au monde par sa mère qui a su, dès le premier jour, qu'il venait pour accomplir la volonté du Tout-Puissant. C'est le moment de la nativité. La quatrième étape de ces mystères est la reconnaissance par Marie et Joseph de la paternité de Dieu dans la naissance de leur enfant. C'est la présentation du Fils à son Père dans le Temple. L'acceptation de cette vérité par le monde extérieur est signifiée par l'intervention du sage Siméon, qui confirme alors à Marie son rôle douloureux de co-rédemptrice. Enfin, la dernière étape nous dévoile l'accomplissement de la parole de Dieu dès son jeune âge. Jésus, Dieu incarné, envoyé au monde pour l'instruire et pour le sauver, va aux affaires de son père en enseignant dans le temple. Ses parents inquiets l'y retrouvent alors qu'il a disparu depuis 3 jours. C'est le recouvrement de Jésus au temple. Parcourons ensemble ces 5 étapes en priant le Seigneur de ne point refuser à sa mère les intentions que nous lui adressons à travers elle. Voilà, donc nous allons prier, Seigneur, un chapelet donc des mystères joyeux. Nous le prions dans ta divine volonté, c'est-à-dire que nous te demandons de multiplier les grâces à l'infini pour tous les temps, pour tous les lieux, pour toutes les générations, pour l'Église militante, l'Église combattante, l'Église souffrante et l'Église et bien sûr avec l'aide de l'Église triomphante. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.
Je crois en l'Église une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Ainsi soit-il. Donc prions aux intentions de l'évêque de Rome. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du malin, ainsi soit-il. Seigneur, augmente en nous la foi. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Augmente en nous l'espérance. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Seigneur, embrasse-nous de charité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Premier mystère, l'annonce de l'ange à Marie. Seigneur, donnez-nous l'humilité. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Pour que tous les hommes s'ouvrent humblement à l'écoute de l'Esprit Saint qui les fera agir avec amour et avec sagesse. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les peuples renoncent à la violence que fait naître en eux leur orgueil, et pour que le monde soit en paix. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les hommes sachent reconnaître leurs erreurs devant Dieu et devant leurs frères, et en demandent pardon. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que la confession, si nécessaire à l'humilité, reste une pratique fréquente chez tous les chrétiens. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que la Sainte Communion soit reçue dans des cœurs humbles et purs, avec respect et amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les familles prennent conscience du pouvoir de la prière, nourriture indispensable de l'âme, afin de rester unie à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour qu'à l'annonce de mauvaises nouvelles, nous sachions rester calmes et garder confiance en Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que Marie reste pour tous le modèle de l'acceptation dans l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que prêtres et religieuses soient, à l'image du Saint Curé d'Ars, des modèles d'humilité et de sainteté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que le chef de l'Église soit toujours écouté et que l'Esprit Saint le guide au milieu des tempêtes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère, la visitation. Seigneur, donnez-nous d'aimer notre prochain. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du malin, ainsi soit-il. Pour que tous les hommes aiment de toute leur âme et leur prochain comme eux-mêmes. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que l'humanité entière reconnaisse Marie comme la mère du Sauveur et l'aime comme sa propre mère. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que dans les familles règne l'entente et la compréhension dans l'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les enfants comprennent que leurs parents les aiment et qu'en les reprenant, ils veulent les préserver du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que des amitiés pures s'épanouissent au soleil de Dieu, en dépit des calomnies du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que la foi anime le cœur des hommes et le transforme en un brûlant foyer d'amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que Jésus et Marie ravivent les consciences souvent faussées par les attraits du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que l'union entre l'Église de la terre et l'Église du ciel soit toujours plus forte dans la communion des saints. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que la communauté chrétienne ne se laisse pas séduire par le faux amour, facile et immédiat, qui écarte les croix et cherche les plaisirs. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que toujours triomphe la miséricorde de Dieu et que les hommes l'acceptent dans un cœur purifié. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles, ainsi soit-il. Troisième mystère joyeux, la nativité de Jésus. Seigneur, donnez-nous l'esprit de pauvreté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Pour que les hommes respectent la vie, même sous sa forme embryonnaire. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les femmes respectent leur corps, berceau de la maternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que les enfants voient le jour dans des foyers aimants et fidèles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que l'enfant Jésus et ses parents attendris soient pour tous les hommes des modèles d'amour et de douceur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que se multiplient les vraies familles chrétiennes qui n'ont pas honte de leur pauvreté face aux choses du monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les hommes recherchent l'esprit de pauvreté et de petitesse, qui chasse l'orgueil, l'égoïsme et la vanité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que nul ne se glorifie de ses propres richesses, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, car Dieu seul en est le maître. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que l'humanité comprenne que ce n'est ni dans l'opulence, ni dans les titres, ni dans les connaissances ésotériques qu'elle découvrira Dieu, mais dans la pauvreté. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que nous sachions rester comme ces petits-enfants qu'aimait tant le Seigneur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que ceux à qui le Seigneur accorde des faveurs sous forme de charisme restent dans l'humilité et l'obéissance à l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère, la présentation de Jésus au temple. Seigneur, donnez-nous l'obéissance et la pureté. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Pour que l'homme et la femme se souviennent qu'ils sont des créatures de Dieu et qu'ils doivent obéir à ses commandements et à ceux de son Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que nul ne se laisse séduire par la vague d'impureté et d'immoralité qui entraîne le monde d'aujourd'hui à la corruption. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que jeunes et moins jeunes conservent une haute opinion du sacrement du mariage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que le mariage chrétien reste l'expression d'un amour tendre et chaste qui fuit les désirs pervers. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
pour que les enfants soient désirés et conçus volontairement dans l'amour et la joie de donner la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les couples chrétiens désirent préserver la pureté du véritable amour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les nouveau-nés aient la grâce d'être présentés au plus tôt à leur Père du ciel à travers le sacrement du baptême. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que parents et catéchistes éduquent les enfants dans le respect des valeurs chrétiennes et le dégoût du péché. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour qu'en toute liberté, nous sachions chaque jour demander à Marie Immaculée la pureté de notre cœur et de notre corps. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que Marie, notre Mère, présente à Dieu nos doléances et se fasse notre avocate auprès de lui. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère joyeux, le recouvrement de Jésus au Temple. Seigneur, donnez-nous de rechercher toujours la volonté de Dieu. Amen. Fiat. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonnez-nous nos offenses, car nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous de tout mal, ainsi soit-il. Pour que sur les traces de Marie et de Joseph, les hommes recherchent sans désespérer le Fils de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que toute recherche spirituelle soit accomplie à la lumière de l'Esprit Saint, sous la direction de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les hommes prient Dieu, afin que sa volonté soit faite en tout, et non la leur. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que chacun possède la volonté de s'éloigner du bal, des mauvaises lectures, des mauvais spectacles et des mauvaises fréquentations, car ils ne sont pas occasion d'enrichissement culturel, mais de péché. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que l'humanité aime, respecte et suive le chef de l'Église dans ses directives, qui sont la volonté de Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les personnes âgées, qui toute leur vie sont restées loin de Dieu, reçoivent la grâce de la conversion. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que nul ne se laisse séduire par les sciences occultes et les sectes, les voyants et les devins qui méprisent l'Église et son enseignement, car leurs pouvoirs ne sont pas de Dieu.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour qu'en toute chose, chacun aille toujours à l'essentiel, dans l'honnêteté de la foi en Dieu, Père, Fils et Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que nul n'oublie les combats du Saint curé d'Ars avec le démon, dont le plus grand artifice aujourd'hui est de se faire oublier ou de faire croire qu'il n'existe pas. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Pour que les hommes du monde entier récitent fidèlement le chapelet, boussole sacrée livrée à l'humanité par Marie pour éloigner du diable et retrouver Jésus. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était, qui vient, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Donc voilà, nous avons prié avec des méditations angéliques, et nous allons continuer avec les mystères douloureux et glorieux demain. Donc j'essaie de prier vers entre midi et 13h, un premier chapelet, et autour de 20h, le deuxième chapelet. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.